J'ai vu des choses vraiment impressionnantes dans les profondeurs. Des choses qui m'ont émerveillé. Cousteau n'aurait pas pu me le dire. Si nous savions ce qui s'y cache, alors nous n'aurions pas à y descendre. L'Abyss Challenger de la fosse des Mariannes est le point le plus profond de la Terre, avec ses 11 km de profondeur. Elle représente le dernier véritable secret de notre monde. J'ai le rêve de concevoir un engin qui m'y amènera. Nous allons entreprendre des choses qu'aucun gouvernement n'a encore faites. Nous allons réussir là où tout le monde a échoué. National Geographic présente. En plongeant au fond de l'océan, il faut être conscient que la mort peut revêtir des centaines de formes. Dans le cas peu probable que l'un des joints se rompt dans les outils, l'eau entrera à pleine vitesse. Et je serai pulvérisé en 2 microsecondes. C'est plus fort que lui, il doit le faire à tout prix. On n'est absolument pas prêt, ça n'a rien de drôle. Nous devons vaincre les éléments et plonger. C'est parti, le moment de vérité. Oh, ça ne va pas du tout. Il y a beaucoup de défaillances. Nous avons un problème. Il faut absolument qu'on sache qu'il y a un problème. Très vite, on réalise qu'on est coincé dans un cercueil de métal. Le sous-marin est de plus en plus faible. James Cameron, gagnant d'un Oscar. Les risques sont peut-être un petit peu trop élevés. Les conséquences pour nos familles sont énormes. Risque retour. Je suis prêt pour la descente. À vous. L'exploration comporte sa part de risque, mais elle en vaut la peine. Pour poursuivre son rêve, c'est un besoin crucial. Voir au-delà de nos projecteurs, découvrir par nous-mêmes l'inconnu. C'est ce qui est à la base de toute exploration, la curiosité. Défier les fonds marins en 3D.